بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bon, nous allons jeter un coup d'œil rapide sur un verset du chapitre Al-Mu'minun, les croyants, de Believers. Rabbi Koul, Al-Issa Sayyidina Nuh, c'est-à-dire Dieu nous rappelle une invocation émise par notre prophète bien-aimé Noé. Que la paix d'Allah soit sur lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, bien sûr, nous bien accueillons. Oh mon Dieu, fais que je sois le vainqueur dans ce duel-là. Alors, bien sûr, donc, donne-moi cette victoire-là, bien accueillons, comme conséquence de ce qu'ils ont fait comme rejet, malsain et mal poli, impoli. Donc, parce qu'avant, ils ont dit, mais ça mène à c'est-à-dire, on n'a jamais su, de par le biais de nos ancêtres, un tel discours, c'est-à-dire, discours qui appelle vers le monothéisme et vers, comment dirais-je, la dévotion et l'éviter le courroux divin. C'est simple, c'est pas la mer à boire, c'est pas compliqué, tant que de là. Donc, adorez-le, louez-le, invoquez-le, c'est très simple. Et évitez sa colère, parce que ça va coûter. Donc, ils ont dit, mais ça va, la vieille avec un Awali, c'est-à-dire que nous avons certainement jamais transmis ce type de discours. Et nous, elle a rajouté, je ne trouve pas la basse au c'est un type, c'est un homme qui est sous l'emprise d'une obsession génique, il dit c'est-à-dire comme il est dit ce qu'il veut, c'est un délirant, c'est un imposteur, c'est il dit n'importe quoi, etc. Laissez-le pour un temps, il va peut-être se fatiguer, ou bien il va guérir, il va entrer en phase de convalescence et puis il va nous joindre de notre manière de penser et de croire et d'implorer et d'invoquer de louer les non-divinités, c'est-à-dire les faux dieux. Donc, donc, il va dire, comme réponse à cette arrogance-là, à ce rejet vraiment qui n'a pas de raison d'être, car la Rabbi Soumi n'a qu'à et c'est vrai, ils ont persisté dans leur rejet. Ils ont vu que le rejet n'est pas autre chose qu'une chose qu'il faut faire, c'est rejeter ce qu'il a dit. Et lorsqu'ils font ça, donc ils ont, comment dirais-je, été rebelles envers Dieu. Et les rebelles, qu'est-ce qu'ils ont comme réponse? C'est le sentiment divin. Donc Dieu, il a choisi pour ces gens-là, les renégats, les païens, les infidèles, leur a choisi le déluge comme moyen d'extermination. Donc, par la robe, bien sûr, on y m'a capable, et c'est aussitôt dit, aussitôt fait, au salam alaykoum wa rahmatoullah.